faisais un cauchemar. T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez! C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là! Ok. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Regardez comment c'est toujours aussi beau. Avec les petites particules ici. Hein. Regardez comment c'est superbe. Toujours aussi. Il va falloir qu'on rapièce ces paillasses. Alors qu'on rapièce tous ces slips. Hein. Ok. Vaut vraiment mieux pouvoir porter un maximum de matos. Un slip, parfait. Pas tout ce qu'il faut. On peut pas courir ici apparemment. Hein. C'est toujours très très beau. De la poudre. Faut fouiller un peu. Hein. Ça pousse un peu à fouiller, c'est bien. Et au niveau de l'apparition, ça me rappelle vraiment, vraiment. J'aimerais mieux de rester avec Hugo. Alors. Oui et non. Enfin, c'est toujours la même chose. Hugo. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Ben, du coup... Très bien, tu les gardes avec toi, du coup. On va avoir du travail. C'est ce que je me dis chaque semaine. Regarde comment c'est beau. Vraiment, petite suspension. Hugo m'attend. Je ferais mieux d'y aller. Et je suis en train de voir comment ça se passe et comment c'est joli. T'es bien gentil, Hugo. Moi, je veux bien que je veux bien venir, mais écoute, hein, est-ce qu'on a le droit quand même de d'admirer tout ça? Allez, c'est parti. Oh. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Ah, non, trop de souffre. Pourquoi tu parles? Il parle tout seul. Tu vas où? Je descends, tu veux venir? Ça va où comme ça? J'ai peur. Là, je croyais que t'allais rester au niveau du script. Là il m'a... Mec. Tu viens de me mind? Il vient de me minder, parce que je me suis dit qu'il allait continuer tout droit, il allait rester là, en mode, la suite du script est ici, donc je peux descendre pour looter, et genre il me dit, où tu vas? Là tu fais, oh! Attends, tu sachons là, que je descends? Ça veut dire que je peux descendre? Ça veut dire qu'il va se passer un truc? Mais qu'est-ce... Oh, ok. C'est très bête, hein, mais ça c'est super bien. Avec l'effet lumière. Ok. Et ouais. Oh, une tombe. Ok, je suis méga rassuré. C'est qui? Je sais pas. On peut dire quelque chose si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Succès déverrouillé, hommage. Non, j'avoue que c'est un petit peu attachant. Hein. J'avoue que c'est attachant. Hein. Non, c'est... Oh. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout prêt d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui. Mon grand œuvre. Mais mec, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. T'as 12 ans. Et moi, je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Ton grand œuvre. Ça, je sais faire. Pour mon éternelle récompense. Tiens.
Ah, ça j'ai de quoi, hein. Je peux retourner à... Oh, ça doit être ça. Des alchimistes ont vécu ici. Leur ont-tu ceci, peut-être? Mais mec... Full métal, petite alchimiste. Alambic. Très bien. Eh bien, c'est parti. Nous allons créer la potion qui permettra de dominer le Tiens, monde. Autre chose? Oui. Le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la Macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Quoi? Dis donc, tu te rends compte qu'il y a rien... Ouais, qu'il y a rien de rassurant? Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Et comment... C'est comme ça qu'on fait un fondant au chocolat, alors. C'était pas censé faire ça. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens, je te suis. Tu es un sorcier, Lucas. Ok. Le fameux fondant à l'arsenic. En fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Ok, Mélie, c'est la ninja qui nous a aidé à nous enfuir. Ok, très bien. Là, on n'avait pas le... Il me semble qu'on était bloqué là. Ça doit faire des siens creusés d'alchimistes. Lucas sera content. Ça doit faire des siens creusés d'alchimistes. Je vais faire ce que je peux. Ouais. Lera. Amicia, viens. On fait tous les deux. Wow. Allez, tout le monde ensemble. Bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sage et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia! Alors, je vais plaider la légitime défense. On va pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia! Viens, s'il te plaît! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Non, vraiment stylé, vraiment, vraiment stylé. Là, en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens! Je te suis. Satan. Innocence de l'enfant. Mais où? Tu... Hugo? Hugo? Oh. Je pense qu'il est descendu. Regarde, c'est les mêmes symboles. Oh. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être? Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez, par ici. La musique n'est pas du tout inquiétante. C'est parfait. Avec les vénules noires, mon gars. T'es fait de nouveaux amis? Oui. Hmm.
Amicia? Oh. Trigger. Trigger warning. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas, viens voir les papillons. Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. On arrive vraiment à ce moment-là où tout bascule, en fait, en termes d'ambiance. Où c'est vraiment juste superbe, en fait. Où c'est juste très beau. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tiens, c'est du millepertuis. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Elle te va bien. Merci. Père, mère, vous serez toujours ici, avec nous. Voilà. 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 Ah, ok. C'est fait, Yéline. Ouais. Je, ouais. L'ambiance, l'écriture, même si on peut se fendre de 2-3 vannes sur des trucs. C'est quand même très juste. Voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Ok. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide ? T'es vraiment trop gentil. Pardon. Chut, c'est bon, on est arrivé. Ah, je suis totalement d'accord avec elle. Ok. Futur modo. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est quoi cette foule sur le pont ? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà. Ils appellent ça la morsure. Attendez. Oh ! Et regardez l'ambiance que ça donne et tout.
Incroyable. Oh non. Okay. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Alors, il était pas bon voleur. Après, il peut être très bon voleur. Et les inquisitions. D'accord, mais. Peut-être meilleur. En fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que. Tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà, allez. Passe. Okay. Allez. C'est la partie infiltration qui va me donner envie de réinstaller Deus Ex. Oh, c'est marrant. Ces ordures. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Bah moi du coup, vu que je suis en mode infiltration. Ils sont là. Là, cette porte, on peut pas l'ouvrir. On va devoir progresser en étant accroupite. Hein. Ok. Pas impossible qu'il y ait des rats qui apparaissent. C'est vraiment ce moment-là où j'ai envie de réinstaller des... On verra ça pour novembre. Après la série, celle-là, j'ai vraiment envie de refaire de l'infiltration. Alors pourtant, je suis très très fan de Metal Gear Solid, mais... Wow. Là-bas, ça doit être l'université. Cette lumière... Et plus Deus Ex. J'aime pas ça. Mais regardez comment c'est beau. Mais regardez comment c'est... Mais tout est incroyable. Tout est incroyable ici. Bon. C'est vrai que c'est pas tout près. Mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Allez, Amicia. Allez. Hé, hey, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là où on vient te chercher! Ok, là faut être prudent. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a plein d'approches différentes, enfin plein, deux en l'occurrence. Il y a du matos là-bas. Du matos ici. Faut looter un peu quand même. Faut chercher. Hein. Faut fouiller. Oh, ok. Bien. Très très bien. Mais ouais. Juste pour le principe. Je ne sais pas là, si... Deus Ex Human Divided était bien foutu niveau infiltration. Aucune idée. Hein. Vraiment. Il me semble qu'il avait été bon, d'après les retours critiques, mais qu'il a été aux effets parce qu'il était sorti dans une période qui lui a pas été profitable. Donc je me rends pas compte. Ok. Très bien. Attention. Énervé de quoi? Wow! La loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'Inquisition. Ah mais c'est totalement normalisé du coup. Sera arrêté et exécuté. La loi martiale? C'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant? Oh, je sais pas. Peut-être que le gouvernement est passé à droite. Oh, le petit raton. Quand il va revenir, faut allumer avec le petit bâton. On va allumer la flamme. Voilà. On va aller vers ici.
Mais poussez-vous les petits ratons. Wow, 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 wow. Et après, on va se cacher derrière. On va rester baissé. Dr. Jones, c'est pas des biscuits secs! Ok. Sans manque d'amour. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont en manque d'amour. C'est pas pour autant qu'on en fait tous des flancs. Alors. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, pas mal. Ouais, stylé. Stylé. Ouais, ouais. Mmh, 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 mmh. Génial. Elle est bonne! J'aille voir ce que c'était. Oh, ok. Bon, c'était rien. Bah, bien sûr que c'était rien. Il y a même un masque qui a disparu. Mais bien sûr que c'était rien. Et le twist, c'est que le gars, depuis le début, il avait son casque à l'envers. Il avait son casque à l'envers. Avec l'ouverture qui était derrière ça, au niveau de sa nuque. Ok, là il y a. Wow, 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 wow. Un body. On peut pas péter hein, sa petite lumière. Il bouge pas spécialement. L'idéal serait de faire du bruit, qu'il vienne par là. Une fois qu'il va venir par là, en repartant, on va le suivre. Et aller ici. Derrière l'abri en bois. Et il y en a un deuxième, il me semble. On va garder notre vase. C'était quoi ce bruit ? C'est un rat qui joue aux billes. Allez. Toujours rien. On va lancer un vase de l'autre côté, comme ça il va nous ouvrir la voie. Là... Le mec, dans son champ de vision, hein. Dans son champ de vision, on va voir... Il va voir tomber un vase. Et le premier réflexe qu'il va faire, qu'il va avoir, serait de se pencher, comme ça, et non pas de regarder ce qu'il y a en haut.
Évidemment, bien sûr. Ça recommence. Ça recommence. Il pleut des vases. Je peux me cacher dedans, hein. Ouais, d'accord. Wow, wow, mauvais plan. Là, je suis caché. Je suis totalement caché. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis totalement caché. Il va me gauler en se retournant vers moi. Encore? C'est pas normal. Alerte! Quelqu'un ici? Non! Je vais me faire javelot, Ted! Pardon? Lâchez rien! C'est ça, barrez-vous! Il y a affaire! Et les affaires de papa? T'as vu ce qu'ils font aux gens? L'Inquisition nous prend! En vrai, ça va. J'ai eu le temps de me faire gauler, d'aller looter. Ce qui aurait été fou, mais ce qui aurait été vraiment fou. Je suis même pas sûr que j'aurais eu le temps, parce que le temps, il me semble, n'est pas arrêté quand je fais ça. Non, c'est pas arrêté. Ce qui aurait été génial, c'est que je craft. Tu sais, j'arrive, je loot. Je suis là. Ting! Attends! Je prépare ma potion d'explosion! Ting! Et puis après, je cours comme ça. Je saute par-dessus et je fais... Pousse! Je crafte! Oh mon dieu, mon gars, là. Ok. Et je pouvais pas, y a pas quelque chose à crafter là? Si, hein, mais ouais, bien sûr. Zbring. Ah, toujours un, des trucs là. Hein. Bon, on va tisser la poudre. On peut peut-être allumer ça. Y a un truc qu'on peut allumer là? Non, hein. Yes. Et là, on peut descendre par là, hein, il me semble. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ok, très bien. Le clocher, il y a... Ah non, mais c'était colombe. Mais elles sont énormes, ces colombes! C'est moi ou... C'est des poulets, c'est pas des colombes. La colombe, elle veut essayer de s'envoler, mais je pense qu'elle... Elle... Avec son centre de gravité, à mon avis, elle doit faire... Juste, elle doit se lancer, des... comme ça. Elle doit chuter. Non, mais tu fais... À mon avis, quand tu les entends recouler, c'est pas... C'est... C'est plus ça, quoi. Non, mais... Sandek, les colombes de l'enfer. Colombes d'Indon. Oh... On est d'accord que ça pue, hein. On va faire une première approche. On va faire le truc en 4-4-2. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut aller... Oh non. Wow, 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 wow. Ah ouais. Un...
Il fait dodo le dada. Qu'est-ce qu'on peut allumer par là? Non, vous êtes sérieux là? Je peux plus reprendre l'échelle? Non, t'es vraiment sérieuse. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut... Non, on peut rien allumer là. On va aller là-bas, on va mourir. La potion de feu, ça fonctionne que... Genre, hyper... Ouais, j'ai peur de pas pouvoir revenir. On tente une... On tente le home run. Hein. On peut tenter le truc. Sans satisfaisant, je vais pas tuer pour le plaisir, c'est bestial. J'ai pas de... Le truc, c'est que si on fait un run direct, c'est sans assurance de sortie. Et ça, pour le coup, on n'a pas d'alternative. Allez, on vit pour la mort du risque. Wow, 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 wow. Oh, but ! Super ! Je n'ai pas fait d'huile ! Tout va bien ! Ah, parfait. Tout va nickel. Ok. Wow, je vais me faire becter. On est... Non, non, c'est... Ouais, il court chelou, je suis d'accord, il court totalement chelou. Aïe, aïe. Prends ton temps, tu sais quoi. Prends grave ton temps. Non, non, montez pas sur... Super. Ok, bon, très bien. C'est ok, c'est ok, c'est ok. On a pu voir que notre technique de ninja était très ninja. Pardon ? On les entend derrière. Je sais pas où je suis. Mais au moins je suis encore en vie. Je vais poser la question à cette poule. Mais regardez, regardez cette colombe ! Elle est énorme, cette colombe. Ah. Regarde comment elle est grosse, cette colombe. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari. C'était mon mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir. Ne balance pas, colombe. La ferme. La loi martiale, tu connais? Tu veux crever avant lui? Il a raison, oh, Anna. Je suis contagieux. Reste pas là. Écoute-le. Tire-toi. Maintenant. Oh mon Dieu. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries. J'ai pas signé pour ça. Signez la modération. Très bien. Oh. 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 Super. Ok. Le truc, c'est que j'ai peur que si j'appuie sur espace, je vais de l'autre côté. Et genre, je me fais empatouner. Définitivement. Le pendu. Si j'arrivais à le décrocher. Ah mais là, mais... Oh. Le pendu d'intérieur. J'étais là en train de m'intéresser au rat et tout. Le fameux pendu d'intérieur. Pardon. Pardon, j'ai d'abord changé de munition.
viens, vas-y, viens. C'était ça le bruit. Et ce putain de rat qui sont déjà là pour le... Oh non! Chez! Bouh! Hé, je t'ai fait une steak, mon gars. Et je t'ai looté si je veux. Pendant ce temps-là, ça burgerise, hein. Casca, elle a commencé comme ça dans Berserk, hein. Enfin, pas tout à fait commencé, mais bon, voilà, hein. Allez, deux slips, allez, c'est la fête, hein. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ok. Ok. La famille de Splinter. Ils les ont tous exécutés. Waouh, mon gars, mais... Oh. L'enfer, l'enfer, on passera au McDo avant, tu sais quoi. Oh là là, mais... Oh. Ok. C'est bloqué. Peut-être qu'il y a trop de rats là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Hugo, c'est pour lui que tu fais tout ça. Ok. Ça a changé, Fort Boyard. Souviens-toi. Oh. Ah. Au poisseux, mon préféré. Oh non. Ils sont déprogrammés. C'est ouais. Et quand il marche, ça va, tranquille. Splic-ploc, splic-ploc-ploc. Le sound design là-dessus, il est genre impeccable. Non ! Non ! C'est pas moi. Ok.
que je vous dis que c'était pas moi. C'est fou quand même. Franchement, vous m'accusez moi d'avoir lancé cette grenade? Vraiment? Eh bien, sachez que c'est dégueulasse. Ces accusations sont dégueulasses. C'est quoi encore ce bordel? Mieux vous j'y retourne. Dormez. Bah ouais, tu vois. Ok. C'est ok. Oh là, la grenade d'infiltration, quoi. Là. Sur quoi je... Sur qui, surtout? Non, regarde pas. Regardez surtout pas. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Ah, tu dois être fidèle à ta poire. Al-Ignem. Est-ce que c'est pas une souffrance, tout ça? Ah, c'est vraiment la fête des potions, là. J'ai entendu quelque chose par là. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Non, rien. Nah. Y'a rien du tout. Nah. Elle est dans son dos, c'est ce que j'ai fait. Quitte à utiliser la brindille. On va utiliser la brindille ici, on va l'éclairer par là, et on va aller par en dessous. On aurait pu utiliser la fameuse technique de discrétion à Avada Kedavra. Mais non, hein. Ah, pas de matos, là. Ouh là là. Caillou, vase, ok. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser un vase pour le faire s'éloigner. Là, comme ça. La première fois, c'était déjà trop. Allons-y. Et trop, c'est trop. Ok, très bien. Go. On avance de manière discrète, il va trouver personne. Rien. S'il revient ici, et on se fait gauler. Oui, ce sont des rats qui utilisent... J'ai cru que j'y arriverais pas. Il y a... J'oublierai jamais cette odeur. Titre. Alors... Non. C'est pas grave. L'université. Tu vois. Allez, Amicia, continue comme ça. Non mais là, les croix sur les maisons, laisse tomber quoi. Il y aurait trop de... Trop de croix à faire dans tous les sens. Sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Je t'ai quitté. Ok. Bon. Eh bien, info chat alors. Ah mais quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Seulement Mélie était là. Allez, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Ah, j'ai l'habitude de marcher sur les cadavres, c'est ok. Ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Oh. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Ah, c'est marrant ça. Très bien vu. On va aller par là-bas. On va se faire notre chemin. Très bien vu. Hein. Reste dans la lumière. Reste dans la lumière. Ok. Ok.
C'est gauche-droite, hein. Là, on est dans l'axe. Wow, wow! Débloqué. C'est bon, hein, on a une nouvelle méca. Alors, évidemment, on a tout dépensé en grenades et en fumigène et... Donne-moi au moins quelques pièces. Non! Non quoi? Ok. T'as bien quelque chose. Un truc précieux. On a tous un trésor. Allez, Amicia. Fais quelque chose, allez. Genre le tuer? Non, il a un casque. On est d'accord, il a un casque. Je dois me débarrasser de lui. Oh non, si je sais. Oh non, oh non. Oh non. Je vais te donner ton éternelle récompense. Et on remet la lumière sur lui pour qu'il y en ait un peu moins, pour comme ça il soit grignoté à petit peu, petit peu, petit peu. Il doit bien avoir un truc sur lui. Tout le monde a quelque chose. Eh ben non. Il s'est fait mentir à lui-même. Ouais. Est-ce que je peux ouvrir ici? Ouais. La méca est cool, hein. Une fenêtre. Parfait. Ok. Est-ce qu'on va trouver quelque chose ici, peut-être? Du loot? Non, pas de loot. Rien du tout. L'ouverture, ok. L'ouverture ici pour pouvoir accéder à au petit bon. Hein, James. Ok. Oh là, c'est terrible. Wow. Techniquement, ça passe, hein. Ils sont un peu proches, hein, on est d'accord. Hein. Allez. Ne restons pas là. Maître, voici les pissenguis. Ah, voyons ça. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert? Ça vient des rats? Nous appelons cela Odorous. Oh. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais... pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épissanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... comment pourrais-je dire? Des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul-de-jatte. Ha ha ha! MDR! De l'épisanguis? Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Ils sont partis. Vous êtes tarés, quoi. Allez, c'est juste un cimetière.
C'est vrai que c'est marrant quand même. Regardez à quel point c'est lol. Oh, encore des morts. Dit-elle en marchant sur le truc. Oh, mais... J'ai trouvé l'appel de Cthulhu. Des bodies. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? Et ça fait quelques années que je me pose comme question, hein. Vraiment. J'ai toujours pas la réponse. Qui est... Oh. Sans deck. Mais des fois ça me laisse genre... Sans voix, hein. Oui, non! Ok. Alors c'est ça l'épisanguis. Viens, l'épisanguis et souffre. Odoris. On va les broyer ensemble. C'est terrible, franchement. C'est vraiment terrible. Oh non, j'ai pas assez. Ah, c'est ok. Bon, il reste plus qu'à essayer. Ah, parce que c'était la priorité. Lucas, ça c'est pour toi. Attire les rats à l'endroit. Mais c'est terrible. Attire les rats à l'endroit de l'impact du projectile pour un court instant. Visez une surface et lancez un odoris pour les... Ok. Est-ce qu'on peut les attirer tous ici? Mais c'est bien horrible! Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Mais c'est dégueulasse! On dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. On va mettre ça ici. Et c'est horrible, même la manière dont il s'oriente. Le sol s'est affaissé. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Ça c'est ok. Ok. Là on va récupérer. Alors, ah vous. Venez pas vers moi les gars. Faites pas ça. Hein. Il y a quelque chose de très viscéral. La manière dont on s'est fait, la manière dont on s'est réfléchi. C'est pas trop tourné d'une manière ludique, etc. L'ambiance est tellement finaude que tu ne perçois pas la mecha comme étant quelque chose de trop vidéoludique. C'est très immersif. Très très immersif. Ok, ça c'est ok, c'est ok. Faut que j'utilise ici de l'odoris. Il faut que ça plonge direct en face. Oh, quelle horreur. Allez, allez le point possible, c'est quoi. Loot, 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 loot. Oh mon dieu. Non. Et... Le ne les retiendra pas assez longtemps. Je sais. Je dois les coincer une fois pour toutes. Me dis oui. Pas que ces deux rats vont me saouler là. Me dites pas que ces deux rats. Non. Ok. Ils sont où là, tic et tac? Très bien. Allez, dis-moi que tu roules encore. Je roule encore. Ah mon dieu, une charrette qui parle! Ouais, c'est ok. Ça va, hein. Attention, il y a une pente, hein. Attention, il y a une pente. Ouais. Oh, oh non. C'était vraiment très discret. Bien. J'ai déjà fait plus discret pendant pendant une incursion. T'inquiète. Non. Il faut que je l'amène par ici. Très bien.
Et là, je peux grimper. Ah voilà, c'est parfait là. Et bien voilà. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien même. Je m'en sors grave bien. Genre vraiment bien. Je suis pas inquiet du tout avec ce qui nous attend. Non. Caillou, cristal. Petite note, hein. Il y a quelque chose de très... Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on se pose la question tous les 5 mètres, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre Yinche. Ok, il s'est fait javeloted. Ouais, c'est pas dans ce sens-là que... Normalement, on... à exister ton livre. Ok. Mais regardez, mais tous les gens qui se sont fait javeloter là. C'est terrible. Je me fais mes cadavres blocs. Très bien, pardon. Il faut que je fasse le tour. Parfait. Nickel. Oh là là. Oh mon dieu. Ils ont massacré tous les malades. Ah mais même l'animation elle est incroyable. C'est-à-dire que même quand t'arrives dans la zone... À l'heure des charges. En parlant de décharge... Ils ont lâché les rats. Et moi... Je peux rien faire. Je suis désolée. Oh. Non. Sans deck. Ah ouais, mais non, mais ok. C'est la version... Red Band trailer de Piranha 3D, hein, tout ça. Hein. C'est pas possible, ils ont utilisé les rats contre les malades. Oh mon dieu. Ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont utilisé de l'odoris. Contre les malades. Genre une version très avancée du Roomba. Enfin, très avancée. Un peu barbare, dirons-nous. Les premiers essais du Roomba. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? On en a gros! Je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. Sans deck. On a des artistes du couteau. Accident regrettable. Il faut... Ouais. Non mais c'est le jeu qui me fait faire ça! Moi je veux pas! Je veux pas. Je veux pas. Mais... On me propose de viser sans casque. C'est-à-dire que le aimbot me dit pas choisis un endroit et assume-le, vis avec. Le aimbot me dit... Do it. Ok. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Et rassure-toi. Tous les autres seront bientôt sauvés. Hé hey! Arrêtez de les balancer dans l'eau. Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas. Tellement... Oh, tellement ça pue. Vous avez de la chance de sortir encore quelque chose.
Super. Ok, on va faire quoi? Le garde. Je dois l'éloigner de la lumière. Ce bruit. Il venait par là, non? C'est horrible. Pourquoi ils sont encore là? Les pissenlits, les cages, c'est pas une simple évacuation. Ok. Merci, hein, c'est pas les pains, hein. c'est horrible, c'est horrible. On va tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre, pas un mot! Ok. Ce que je peux faire... Déjà, on va aller voir par là ce qu'il y a. Fais le signe. Bien, je découvre ça assez tardivement. Je suis vraiment, vraiment sous le charme de tout, hein. La narration, l'ambiance, la finesse. Oh, bien ça. Je peux lancer le caillou là. Parce qu'il va aller dans le... Ouais, il va aller dans le couloir. Je vais l'attirer ici et je vais tirer sur la tête de l'autre. On va faire ça en 3 bandes. Non. Caillou. Oui, ça venait de là-bas, je crois. C'est quoi ça? Deux fois en si peu de temps. Wow, non. C'est pas moi. Rien. Je crois que je perds la tête. Comme ton pote, finalement. D'accord. On se fout de ma gueule. Oui. Fort, hein. Fort. Allez, les tiratounes! Non! Allez. Allez, mon gars. Non. On va tirer nos Doris à gauche et on va leur bloquer le chemin. Là, ici. C'est ça. Waouh. On va bloquer le chemin. Allez, les gars. Allez, tiratoune. On n'a pas de loot un peu ici, non. Non. Vous, je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh. Oh non. Non. Ne buvez pas ça. Non. Ah. Oh. C'est un cauchemar. Allez. Courage. L'université ne doit plus être très loin. Allez, en plus il y a plusieurs corps et tout. Hein. OK. Super. Super. Oh mon dieu. On ne peut pas tomber dans l'eau. On vient de vérifier. Je viens de vérifier ici aussi. On peut utiliser les corps comme pont. Oh. Super. Ok, pas de lutte là. Bien, on se retranscrit à merveille. On a quoi ici? Parfait.
Le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Ok. Dans l'ombre des remparts. Bon, il faut vraiment progresser en Snake. Faut vraiment progresser en Snake, hein. Plein de rats, ils utilisent ça comme une arme. Ils ont vraiment retourné et mindé la peste. Ok. Là, je peux pas... Si je bondis par-dessus ça, je risque de me faire gauler. À finir de loot ce qu'il y a à looter. Oh! Ouais, ce que je vois, hein. Peut-être d'en haut, hein. D'en haut, serait peut-être un peu plus discret. Faire tomber les cages, utiliser le Doris, et péter la lanterne de l'autre gars. Parce que lui, il a une lanterne ici. Pas besoin. Ouais, vas-y, viens. Ouais. C'est parti, en fait. Ça doit être un rat qui a utilisé une fronde pour faire exploser ma lanterne. Nom 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 nom. Je sais pas pourquoi. Bon bah Odoris, hein. Attends, mais sur le M-Bot qui est sur la tête. Odoris! Hashtag nom nom. Ok, très bien. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps. Ok. Alors. Discret. Discret. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut passer à la discret. Ça va mettre... Oh, il faudrait monter, très bien. On va aller looter. Wow! Je l'ai pas. Laisse tomber. Laisse tomber, c'était qu'un cucu qui est arrivé, qui est sorti du rempart. Laisse tomber. C'est rien, wesh. C'est rien. Tout va bien. Tout est sous contrôle là. Alors, au rapport, Jean-Albert. Alors, j'ai vu un perroquet énorme. Genre, sortir du buisson. Mais rien d'incroyable, hein. Juste un perroquet d'1m70. Genre. Avec, il avait des tresses dans les cheveux, avec une armure, avec un truc au cou en métal, et une fronde. Et mais c'était qui, c'est ouais un perroquet quoi. Genre, je peux pas éteindre ça.
Je sais pas pourquoi elle a peur. Je sais pas pourquoi tu respires fort. Franchement, je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce que tu respires fort. Hein. Sandek, de quoi t'as peur? T'as peur? C'est ce garde-là qui t'effraie? Franchement? Genre c'est son talent d'observation qui t'émeut? Mais rappelle-toi, Missia. C'est lui qui t'impressionne. Sans déconner. Fais partir. À droite, là. Ça fait rien comme bruit. Non. Alors, franchement, si je m'échappe de ça... Oh, mais c'est le pire garde. C'est le pire garde. Oh. Rien. C'est le... Ouais. Je vais le faire à l'ancienne, tu sais quoi? T'en avais pas marre? Non. Ouais. Moi, loser et méchant. Oh. Bah, je prends une photo de lui pour souvenir, parce que c'est trop stylé. C'est Jean-Albert. Le plus nul. Le garde le plus nul. Mais le pire garde. Le pire garde de l'univers, quoi. Garde qui n'était pas garde au départ, en plus. C'est Jean-Albert. Non, mais non. Alors non. Sortez de votre trou. Allez, je dirais que vous... Mais c'est pas vrai. Lui, entre un qui est un nul profond et l'autre qui est genre trop malin. Mais sans deck, il y en a un qui est trop malin. Il était trop malin. Genre, j'ai fait du bruit là, il est venu vers moi. Mais non, mais... Ok. Je vois que dans le skill, on fait du Jean-Claude Van Damme, quoi. Waouh, ok. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici? J'avais cogné un de ces alchimistes. Du calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux... Arrogants? Vraiment arrogants? Ils ont le droit d'être cons. Alors, cons peut-être, mais pas arrogants. Je vous interdis de me traiter d'arrogant. Vous savez que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Non. Vous êtes d'horribles personnes. On va le faire... On va le faire en deux bandes, allez, tu sais quoi? Tiens, mais qui voilà? Ouais, prends ton temps. Allez! C'est qui l'arrogant maintenant? Un plateau d'échecs, ça devrait plaire à Lucas. Attends. Allez, chut, maintenant chut. Chut. Nanana. Université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, okay. Le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Oh, l'ambiance est incroyable. Et je dis pas ça grâce à Jean-Albert. Hein. Ok. Ces bouquins retournés dans tous les sens. Oh, c'est immense. Je te le fais. Où sont passés les livres?
par terre. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. Pas rester enfermé ici. Je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, va. Vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui... Aucun rat? Oh, c'est étrange. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Par contre, tu loot de partout. Il y a aucun rat, donc elle a spécifié qu'il y avait aucun rat. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on va probablement pas pouvoir utiliser l'Odoris. C'était vraiment fait pour mettre l'accent dessus. On peut pas se glisser entre les étagères. Ok. On peut se glisser peut-être à l'arrière. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rat. Absolument, pour l'instant. Un slip. Il faudrait plus qu'un slip, hein, quand même. Ok, c'était la musique qui a fait tambour. Ambiance mais incroyable. Alors pareil, hein, il y a 2-3 effets lumineux qui sont vraiment bien pensés. Regardez, là à gauche de l'écran, mais pas avec ma cam, mais sans ma cam, regardez. Le danger imminent est représenté par des points de lumière. Sur la caméra comme ça. Et c'est vraiment bien vu. Papa. Ah, je peux glisser à gauche. Il est parti où le deuxième? Parce que, à part lui donner un coup dans la nuque, en m'éloignant suffisamment hein, pour envoyer le. Pour enclencher la fronde. Ok. La fronde, j'ai dit. Le... Chut. Il est magique. Chut. Il est très mort. Chut. Le mec, il a le crâne ouvert. Il se vide de son sang au sol. Chut. Et ça loot. Le deuxième n'est vraiment plus là, hein. Je suis pas choqué pour la souffrance, mais quand même. Qu'est-ce que je peux utiliser pour aller ici au milieu et monter ensuite sur l'étagère? C'est en métal très lourd. Non? Tu déconnes là? Ok. C'est le calage au bout? Sans deck? Je sais bien ce que je disais. Il se fout de ma tronche. Tout ça pour ne pas aller sur l'étagère, là, en face. Tout ça pour pas marcher dessus. Ok. Non, mais je suis ok avec ça, ok. Parfait. Ouais. Nous n'avons jamais assez de livres, lorsqu'on sait lire. Bah, c'est de la lecture païenne tout ça. Le Sanguinis Itinera est un livre sacré. Le savoir qu'il contient remonte aux origines de l'homme. Et ce savoir peut tous nous sauver. Alors continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres. Ok. Le livre, le Sanguinis Itinera, il le cherche aussi. Je dois faire vite. Ok. Si c'est elle qui le trouve, je rigole. C'est pour ça qu'ils ont récupéré tous les livres. Très bien.
je présume. Regardez avec les effets de lumière qui pointent le danger. Non. Hein? Mais, hey, vous n'avez rien à faire ici. Garde. Non, 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 non. Économiser une fiole. Franchement, on essaie d'être subtil. On essaye d'être genre subtil, tu vois. Check. J'arrive pas à savoir comment est tourné l'autre bras. Mais t'es sérieux, mec? Il a l'air cassé, le monsieur. Il a l'air totalement cassé, le monsieur. Soin d'autres gardes par là. Au moins, ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il voit là? La prochaine fois qu'il me parle comme ça, je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Non, je croyais que c'était au saumon. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. Ce sont des rats, hein. Ok. J'ai une idée. Le truc, c'est que si j'ouvre... Débarrasser des cartes pour pouvoir passer. Alors. Allez, sortez de là. Allez. Faites-vous plaisir. Normal. Normal. Tout va bien, hein? Une marguerite. T'es loin de ta maison, toi aussi, hein? Porte-moi chance. On fait ça pour Hugo. Ça me frayeur, hein? Je me dis... Comment ça, ils vont finir tout ça? Excusez-moi, messieurs, mesdames, les petits rats. Cette chose, est-ce qu'elle va finir par recouvrir le monde? C'est quoi, là? Ça pulse, hein? On est d'accord. Ça vit, c'est tout. Ça vit, ça respire, ça suinte. Ça... On les connaît, hein, ce sont des potes de fin de soirée. Ok. Ça cherche ici. Ok. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un dieu pareil. Un prisonnier. Ok. Je pense qu'il faudra le... Je peux pas passer par ici. Il y a
être garde. T'as vu comment tu t'en es sorti la dernière fois, ça devrait aller, hein, mon gars. Comment les rats font ça? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Okay. Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. Genre ils en discutent, moi j'ai vu Ratatouille, ils en discutent, hein. J'ai cru entendre quelqu'un. Je reviens. Fais attention. À bientôt. Je reviens, le mec il se retourne juste. Je reviens, hein. Je reviens. Rien à voir par là. C'est non. Noté. Monsieur Côte de Port. Ok, très bien. Caillou, viande. Snake. Ok. On va libérer les enfers. Aïe, aïe, aïe. Non. Alors, est-ce qu'il va arrêter de me chercher? Est-ce que arrive à zéro, il va dire c'est rien. Attention. Allez, ça suffit. Il y a rien depuis un moment. Ok. Non mais c'est ok en fait. Ça fait 4 jours que Jean-Albert est allé chercher un livre en dessous d'un tas de rats. Bien sûr, tout va bien, hein. C'est évident. Ok. On fouille, on trouve rien. Si, on va quand même fabriquer, récupérer. Là, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ici? Sur les étagères, peut-être? Non. Rien. Ici. Nom, 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 nom. Ceci est mon œuvre, dit-elle avec une marguerite dans les cheveux. Mon grand œuvre. J'ai pas vu les roses depuis un moment. J'espère que je m'éloigne pas trop. Ok. C'est un poil inquiétant, et non pas... Waouh. C'est beau, hein. Très très beau, la vision. Je sens le drama qui va arriver. Ah mais avec toutes les potions qu'on a autour... On se dit à tel point ça peut être... hyper violent et il nous incite à utiliser le Dolodoris sur des gardes. Par contre, looter juste avant un escalier, tu vois, c'est vraiment le syndrome. T'arrives avant un boss et tu as plein de loot. C'est vraiment ça, quoi. On a de quoi, on a de quoi, on a de quoi. On est ok. Franchement, on a vraiment de quoi. Ok. Mais what? Toujours
jeune Hugo de Rune. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. Le seigneur Elrond qui a conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite! L'épisanguis. Ok. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Vite, je dois pas les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, tu sais pas fermer ta gueule, hein? Ok, ok. C'est juste horrible. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. La morsure. On est d'accord qu'en courant, c'est ok. Hein. Ok. Excellent 3. C'était quoi? Ça a bougé. C'est pas moi, c'est faux. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais. C'est totalement faux! Avec le livre et le gamin de Rune, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance! Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards ont vraiment été assez. Tu chialeras comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Bon. Oh, c'est bizarre. Comment j'accède de l'autre côté? Je peux pas, hein. Qu'est-ce que... Bizarre. Prends le temps. Je dois y aller. Ok. Il est pas tourné vers moi. Ouh, waouh, il est plutôt armé. Allez au travail. Vous avez ruiné le sol. Une armure lourde. Oh, il doit y avoir un moyen. Alors j'ai une idée, hein, mais l'armure lourde. Il y a d'autres gardes. Ah mais. On va lui mettre une robe. Discrètement. Avec un peu de chance, il va pas nous remarquer. Chut.
pas quitté. Mais merci. Rappelle-moi. Amicia. Ok. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. Oui, c'est quoi cette porte? Je dois y aller. Commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hey, ok. Qui? Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Qui d'autre? Je veux pas te presser, mais il continue d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Allez. Et voilà. Trop proche. L'alerte est donnée. Ils vont plus nous lâcher. Oh, j'ai plus de slip. C'est ça. Allez, go. On va où comme ça? Réfléchis pas. Cours. Un seul cul-de-sac et on est fichu. Eh bien, go. Il faut qu'on se planque. Non, il faut qu'on les ralentisse. Mais on va faire ça comment? Ok. Très bien, on va bloquer la porte. Ça va suffire, tu crois? Ben non. Pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Rodrick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Mais c'est pas la question, t'as pas suivi! C'est un livre que je veux. Un livre! Un livre! Un livre! Pas les livres! Waouh! Une autre bibliothèque? Sous la bibliothèque? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde! Là-haut! Ça va aider. Et Rose, ça doit être lui. Je dois monter. Très bien. Alors, je pense que ça doit... Oh, elle est coincée. Ok, très bien. Pour débloquer, je pense qu'il faut bouger un coup de main des éléments ouais. Ici. Intéressant. Les étagères forment le possible. Ton chemin jusqu'au livre. Facile. Très bien. Ok. J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Oh. Ça le coince. Vas-y. De suite. Donc on va récupérer ça. J'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. On va amener ça de l'autre côté. Pour escalader. Ah, il a un peu essayé de me tuer, mais pas trop, tu vois. C'est de la mort niveau 1. Grand max. Peut-être qu'on en parle, on va aller escalader. Attends. Parfait. Peut-être un passage à l'arrière. Il y a peut-être d'autres éléments derrière, genre du loot. Voilà, absolument. Oh, mieux vaut ne pas y toucher. Pourquoi? Alors ça, c'est ok. On va pouvoir escalader là. Et à partir de là, je pense qu'on va arriver vers un binôme d'ascenseur. Et à partir de là encore... En fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Rodrick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé? On va pouvoir bouger et avancer. Rodrick? Des sortes de moines. Pas bavard. Mon père a fait les plans. C'était un maître. Tu ne lâches pas. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Ok, parfait. Là, il va pouvoir relâcher et faire en sorte de... Non, arrête-toi. D'accord. Voilà. Et là, pareil, ici. Vas-y.
ça roule. Eh ben parfait. Parfait. J'ai peur de ce qui va arriver. Bouge, Amicia. Tu gênes. Ok. C'est trop calme. Où sont les soldats? Très bien, fallait partir à gauche plutôt qu'à droite. C'est pas intuitif en France, mais ok. Très bien. Allez! Je savais bien qu'il y en avait un deuxième. Nickel. Allez, avance! Hé, ça fait pas mal. Non, t'inquiète. Non! Mon frère, je lui dois ça. Débrouille! Tranquille! J'ai pas été là pour lui. Ouais. Enfin, t'auras du mal à ramener le livre avec un bras en moins. Et là, on va bloquer. Pour qu'il redescende pas. Et c'est parfait. Eh bah, si ça c'est pas de l'amour. Allez, faut qu'on en finisse. Ok. Donc là on va escalader. On va aller de l'autre côté. Il va devoir réactiver le premier passage. Attends. Reviens par là. Rodrick. De suite. Rodrick. Le premier passage va être libéré, on va accéder à la plateforme au bout des escaliers. Il va relâcher, ça va redescendre, on va aller au bout. Une fois qu'il va aller au bout, il va ajuster ici le passage. Non, il n'y avait même pas besoin en fait. Je vais avancer tranquille, hein, vu qu'il a été bloqué grâce à la charrette. J'y suis presque. Allez. Il va se passer un truc. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Je crains le pire, là. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Bientôt, genre maintenant, tu vois. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre. Je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia. Mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Depuis le début, c'était Bruce Wayne. Non, il est cool. Efficace, cool. Et pas trop tendu. Ok. Propre. Très propre. Ça va être la foire, là, derrière. T'es prête? Oui, plus que jamais. Allez. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez! Où ils sont, bordel? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Non mais vas-y toi devant. Vas-y, ok non, ok très bien. Très bien. Soit à la gauche donc, soit à la droite, je présume. Comment les choses ont pu dégénérer à ce point? On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Allez mon champion. Vas-y. Tu t'en charges, Rodrick.
Ça, c'est pour mon père. Waouh! Tu fais ça souvent? Non. Mais j'y prends goût. Ok. Squeaker, squeaky, squeaker. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. J'ai jamais fait ça, mais j'y prends goût. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux... Impossible. Mais qu'est-ce que tu... Roderick, mec. Qu'est-ce que tu fais, Roderick? Ouais. Mais Rodrigue! Ah, Rodrigue! Rodrigue? Oh. Allez. Tu me déconcentres, Rodrigue. Rodrigue, tu me... C'était quoi ce vacarme? Mon champion. Vas-y. Mais vas-y! C'est pour toi. Toi, t'es fini. Mais vas-y, plus vite! Espèce... Mais vas-y maintenant! Rien. J'y suis peut-être allé un peu fort. Crac! Je... C'est... Ouais. Je suis avec un groupe de psychopathes. Le mec qui brise des nuques avec... sur des gars qui ont des armures de plate. Alors regardez, il brise des nuques à ça. À main nue. Le gars, il a une armure de plate. À main nue. Il en fait des danseuses, tu vois. J'ai peut-être allé un peu fort. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. La chance, c'est que par rapport aux autres, il a encore des yeux. Ça, c'est un gros avantage. Mais le mec, c'est une... Mais pourquoi tu vas pas te battre contre le pape? Pourquoi tu vas pas à main nue? Tu me fais penser au prêtre dans Braindead. C'est... En fait, t'es lui. Braindead Origin Story, c'est vrai. Est-ce qu'il peut pas, genre... Je sais pas. Je crie Squeaker, Squeaking, t'arrives au milieu, tu sautes et tu fais le grand écart et tu leur brises la nuque. Genre, t'arrives au milieu, au moment où tu sautes, t'as la caméra qui tourne autour, tu vois, de toi. Tu nous fais une Trinity et... Ah, j'aime pas Respawn à deux. On s'en prend un chacun, ça te dit? Tu m'as fait celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Ok. Na 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 na. Psychopathe. Je... Dis, Rodrigue, est-ce que tu veux devenir mon petit frère? Allez. Allez un peu, là. Allez. S'il te plaît. Il brise des nuques à des gens en armure de plate. Est-ce que t'as quelqu'un en ce moment, André? Bah, ça t'empêche pas d'être mon petit frère, tu sais quoi.
C'est un peu comme si on était dans le nord de la France. Que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Voilà. Ça sent la cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. C'est nous qui avons... Bah, c'est pas Rodrigue qui va éteindre l'incendie avec son souffle. J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Bah, Rodrigue, vous avez été tellement... Moi, je veux des fanarts de Rodrigue. Les rats, le bouclier... Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Mais mec, t'es... C'est de mettre... Plaque-tel, innocence, deux points, Rodrigue. Tu vois, tu vois Rodrigue. Mais ouais. Prélude, tu vois, c'est le... En ce moment, on cherche des modos sur ma chaîne. Est-ce que... Est-ce que tu as au moins, je sais pas, 22 ans? Est-ce que, tu... Hein? Genre, est-ce que... Est-ce que... Ouais... Tu... Rodrigue, est-ce que... Est-ce que t'es ok? On cherche des... On cherche des modos. Rodrigue. Ok. Ça veut dire oui ou... Je comprends pas. Ah. J'ai perdu là. Maintenant, je... Maintenant, tout ce que je vais faire d'incroyable, ça sera une Rodrigue. Voilà. Oh là ! Oh, et Rodrigue, c'est... Faut que je note aussi. Faut qu'il y ait un personnage qui s'appelle Rodrigue dans Metro 2033. Ça doit être un... Brûlé. En plus, il est gentil, tu sais. Il est rassurant. Et en plus, il est rassurant. Il a que des qualités. Il m'apprend des trucs, genre des secrets potions de destruction de l'univers. Non, mais... C'est pas ma faute. C'est vraiment l'homme idéal, hein. Ok, j'ai peur que si j'éteins ça, on va juste mourir de décès en fait. Sa torche, la mission. Et en plus, il me dit quoi faire, mais genre. Gentiment, tu vois. Mais. Il me donne les tips. Le mansplaining du meurtre. C'est pas un mansplaining, c'est de la consultation. Je vous rappelle que la 9e saison de Dexter sort le 7 novembre. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. Ok. Ok. Ça? Hey, tu crames! Tu crames! Oh putain! Non! 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 Ça va? Ça va. Il y a encore du monde dedans! Ouais, j'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. On doit en faire bouger un. D'avoir looté. Tu t'occupes de celui avec l'armure de plate.
Oh, bah, incroyable. C'était quoi ce bruit? Oh, je... oh, attention. Deux jours plus tôt, je n'ai jamais fait ça avant, j'aime pas trop ça, j'y prends un peu goût. Deux jours plus tard, oh j'adore, j'adore. Le meurtre au piment d'Espelette, j'adore. Attends, j'ai trouvé un vase, mais oui j'ai trouvé un vase. Mais oui. Ok. On va éteindre là. En face. On va envoyer le vase en face, on va éteindre. Pas de Rodrigue. Allez. Ce bruit. C'était quoi? C'est ta mort. Ah, mais pousse-toi! Non! Rodrigue, au secours! Rodrigue! Non! Rodrigue! Attention, c'est horrible derrière toi! Non, impossible. Non. Tu n'as pas de lance. Impossible, tu as pas... Tu ne peux pas enjamber cette barrière. Oh. Rodrigue, défends-moi. Rodrigue. Rodrigue. Tu peux t'occuper de lui, compte sur moi. Rodrigue. Déchaîne les enfers. Bien joué, j'y suis peut-être allé un peu fort. C'est pour quand on sera mariés. Ça sera en souvenir. Épouse-moi, épouse-moi encore, épouse-moi, épouse-moi, Rodrigue. Rodrigue, épouse-moi. Comment ton père est mort? Pourquoi tu... Alors... On doit vraiment entrer là-dedans. Oui, si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez. Ah. Oh. Je sens la respiration qui quitte mon corps, Rodrigue. Je me sens pas bien, pas bien. Rodrigue. Il fait, t'inquiète pas. Il prend une grande inspiration, il souffle sur les femmes font... Ils disparaissent. Oh. Rodrigue. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Fais gaffe à ton levier. Ils sont là. T'occupes pas d'eux. Non, c'est toi qui t'en occuperas. Tiens-toi bien d'ici. Allez, allez. Ouais, ouais. Non. Verrouillé. Ça brûle derrière. Fais-nous une Rodrigue, Rodrigue. Fais comme les armures de plate. Est-ce que ça va? Oh oui, mon champion. Cours. On est presque. À gauche. Empêche les flammes. D'enflammer! Oh oui! Allez. Mais quel badass! Non, ne meurs pas, Rodrigue! Mais Rodrigue, MVP! Alors, je vais... Plus tard, je veux comme vocation, je veux un Rodrigue maintenant. Rodrigue, qui se prononce Rodrigue, bien sûr, mais... Écrit Rodrigue. Regarde, la voilà. Ouais, il arrive, mon petit frère arrive vers moi, il me pointe du doigt, je lui donne une gifle, comme ça je fais... Non, tu n'es plus mon petit frère, j'ai choisi Rodrigue. Vous
T'avais réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui, lui? Roderick. Mais chut. Sinon, je te brise la nuque, petit. Sitinera. Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Alors que les autres, ils sont morts tout court. On l'a bien mérité. Oh, le... Toi aussi? J'arrive. Oh. Le mec, il a brisé 12 nuques, 12 milliards de nuques à main nue, et non pas 12 milliards de nuques, pas comme ça. Bref, suivez la cinématique. Non, non, non! C'est pas vrai, c'est pas du boulot, ça. Hé, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Oh, pardon. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort, alors ça vaut pas un garde de l'Inquisition. Oh, c'est clair. Mais je vais pouvoir continuer à m'entraîner. Rodrigue, comment tu fais déjà? Mais regardez! Le marteau, il a pas été utilisé! Le fer, il est même pas rougeoyant, il fait ça à main nue! Il fait tout à main nue, là! Rodrigue! Il les a mis au sol à main nue! Et à main nue! Genre, il est là, il les a pris, genre, il les a retournés, et crac! Les gars, on a un mur de plate! Mais regardez! Rodrigue? Non mais... Tam 06. Rodrigue. Numéro 5. Je crois que c'est le personnage de Deus Ex Machina le plus incroyable. Ah, mais tais-toi là-haut! Je fais du romantisme! C'est fou ça. Si je m'entraîne là, est-ce qu'il pourrait pas genre guider mes mains là-dessus sur cette. Genre. Pour ceux qui étaient avant le grand confinement. Faut imaginer, genre, moi qui pose les mains sur une nuque, et lui qui pose les mains sur les miennes, avec, bien sûr, la chanson de Ghost, et...